Et salut tout le monde, c'est Sanji 30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mario et les Lapins Crétins Kingdom Battle. Alors la dernière fois on avait récupéré Luigi, on avait battu le premier boss du jeu, c'est-à-dire Flora Piranha Lapine, voilà, je sais plus comment elle s'appelle, enfin elle avait un nom particulier mais je m'en souviens plus. Et aussi on avait débloqué beaucoup de choses, on avait débloqué l'arbre de compétences pour nos personnages et on avait débloqué aussi un endroit spécialisé pour les amiibos. Alors j'aimerais bien voir où c'est. Ah ben c'est là, voilà, regardez, R&D, oui, Amiibo, Crétinolab, très bien. Et ben nous allons y aller, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, débloque du nouveau contenu Amiibo, d'accord, donc on voit carrément les Amiibo qu'il faut placer. Alors, nous allons commencer par, bien entendu, le premier de la liste, hein, c'est-à-dire l'Amiibo Mario, de Mario Party, voilà. Alors, vas-y. Y a problème d'amiibo. Ajouter amiibo. Ah voilà, comme ça. Ok, très bien. D'accord, je l'avais pas mis. Très bien. Nouveau contenu amiibo débloqué. Fracasseur. Point furieux. Découvre ce que tu as débloqué avec l'amiibo Mario. Ok, nouvelle récompense. Très bien. Ben nickel. On a à présent l'amiibo. Attention, Luigi de Super Smash Bros. Et voilà, nouveau contenu amiibo débloqué. Le phosphorus, et question brûlante pour l'amiibo lapin, enfin pour le lapin Luigi. Découvre ce que tu as débloqué avec l'amiibo Luigi, très bien. Ensuite, nous avons l'amiibo Peach de Smash Bros. Voilà, ça serait bien d'ajouter, voilà, l'amiibo. Tonneau Blaster, ok, ça lui va pas super bien à Lapin Peach d'avoir une arme de Donkey Kong là. Et interrogateur pour Peach. Peach, on l'a pas encore débloqué, ça serait bien qu'on la débloque un jour. Et enfin, le meilleur pour la fin, le petit amiibo Yoshi de Super Smash Bros. Et voilà, Clown qui rit pour l'amiibo, enfin pour le lapin Yoshi, et Torpille, d'accord, très bien. Bien voilà, on a débloqué tout ce qu'il nous fallait avec les amiibo. Très bien, maintenant on va aller voir dans le truc des combats, là on a le musée, donc c'est pas le musée qui nous intéresse, c'est ça, voilà, le petit bâtiment juste à côté là. Jardin antique, on ira dans cet épisode, il faudrait qu'on termine ce monde là, ça serait bien. Voilà, c'est, je sais plus comment il s'appelle, le QG de combat, voilà, QG de combat. Donc on avait débloqué l'arbre de compétences, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, mais voilà, sélection d'armes. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué avec Mario? C'est l'amiibo là, le truc d'amiibo. Ok, donc c'est pas ici. Il est où? Secondaire. Qu'est-ce que c'est que secondaire? Il y a principal, il y a marqué secondaire en appuyant sur Y, mais ça marche pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Point furieux. Ah, ben ça a moins de... Ah, ça a moins de... De dégâts. Enfin, c'est moins bien que mon fragmenteur. Ok, bah pourquoi pas. Ok, très bien. Pour le lapin Luigi, là. Ah, c'est moins bien aussi. Ah, c'est dommage que ça soit moins bien. Parce que les armes sont stylées, genre on a des petits blocs là de Mario. Ah, c'est trop dommage. Bah, au pire, je pourrais les mettre. Hein. Ah, mince. Ah, Luigi, il fait des dégâts d'encre. Ah, à mon avis, il va pouvoir... Enfin, les ennemis ne vont plus pouvoir voir. Ah, c'est plutôt cool. Ah ouais, d'accord. Donc là, on a soit les dégâts de rebond, soit des dégâts d'encre. Ah, j'aimerais bien prendre les dégâts d'encre. Vous savez quoi? Ben, on va prendre celui-là avec Luigi. Et le lapin... Ah, voilà, c'est dommage. Comment ça s'appelle? Cette arme-là, elle est super cool. Enfin, elle est stylée de ouf. Et en plus, ça fait des dégâts d'incinération. Par contre, là, mon arme à pixels, là, elle fait des dégâts de pousser. Enfin, on a une chance de pousser l'ennemi, quoi. Donc c'est mieux, je sais pas ce qui est mieux. Oh mais sucreur X. Oh mais c'est trop bien, c'est les armes de lapin Luigi quoi. Il a trop bien, il a des trucs trop bien. Genre c'est un mélange entre un ballon de basket et des blocs de Mario. Oh je sais pas quoi prendre. Bah vous savez quoi, on va le prendre, voilà. C'est l'épisode amiibo, vous savez quoi? C'est l'épisode amiibo, et écoutez on va prendre... On va prendre les armes que nous ont... Enfin... quasiment, pas parce que Mario j'ai pas équipé l'arme de l'amiibo, mais on va prendre un petit peu les... Enfin, on va prendre les armes qu'on a débloquées avec les amiibo. Ok, très bien, maintenant on peut repartir dans le monde jardin antique, très bien. Donc comme je l'avais dit la dernière fois, on avait battu le boss et on s'était arrêté juste avant notre combat, voilà. Un petit combat nous attendait, très bien, et je l'avais pas fait. Alors, toujours les temps de chargement sont super longs, je trouve. Voilà, le niveau 6, voilà, bulle instable, très bien. Alors, bulle instable, qu'est-ce que ça dit, bulle instable? Salut.
Alors, vaincre tous les ennemis, très bien. Bah, vous savez quoi, les ennemis, vous allez pas faire long feu. Là, on a des nouvelles armes. Ah, ils sont pleins. Waouh. Alors, préparation combat, bataille, nous, on se bat. Oh, Luigi, il est trop mignon, il est genre accroupi. Genre avec, enfin, genre en tailleur. C'est comme ça, on dit? En tailleur, hein. Non, sur les genoux. Ouais, il est sur les genoux, pas en tailleur. Alors, parce que j'aime pas trop le mot tailleur. Enfin, je sais. En fait, tailleur, je sais même pas si c'est la position que faisait Luigi. Donc bon. Alors voilà, Mario, on va se déplacer ici. On va le défoncer. Voilà. En plus, on a fait du critique, on a fait du miel. Donc voilà, on l'a défoncé. Très bien. Mario, n'oublions pas qu'on lui a mis une compétence qui permet d'écrabouiller les ennemis. Hein, dans le dernier épisode. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Lapin Luigi? Eh ben, on va pouvoir sauter. Voilà, on peut pas sauter sur l'ennemi avec Lapin. Non, on peut pas sauter sur l'ennemi avec Lapin Luigi. Ben, on va se protéger juste à côté. Voilà, saute, très bien. Et j'espère que tu vas faire des dégâts de feu, le Lapin Luigi. Ça serait pas mal. Non, le Lapin Luigi ne veut pas faire des dégâts de feu. Très bien. Non, mais pas de but, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et Luigi, alors mon petit Luigi, qu'est-ce qu'il va faire, Luigi? Eh ben, Luigi. Je sais pas ce qu'il peut faire, il va se mettre ici. Ah, on peut mettre des tourelles, c'est vrai. Attendez, avec Luigi, on avait débloqué sa compétence. Mecha mobile. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, what? J'ai pas trop compris. On a une espèce de petite tourelle avec Luigi. Bon, on va se mettre là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Phosphorus, là. Qu'est-ce que... Ah non, d'accord. Ah, on a fait des dégâts d'encre. D'accord, vous avez vu, l'ennemi, genre, il avait de l'encre sur la tronche. Ok, et ça, c'est quoi? Regard d'acier. Quand déclencher? What? Je vois pas bien, comme je l'ai dit, la police d'écriture, elle est très très petite. Bah, vous savez quoi? J'ai activé le pouvoir de Luigi, je sais pas à quoi ça va nous servir. Mais bon. Allez, c'est parti. Les ennemis, autour des ennemis, donc... Ah d'accord, Luigi a la même compétence que Mario, c'est-à-dire que quand un ennemi, quand Luigi voit un ennemi bouger, il attaque directement. Or, très bien, par contre, là, on se fait un peu défoncer. Wep, là. J'aurais pu mettre la compétence à Mario, hein. J'aurais pu le faire. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu mettre l'espèce d'attaque spéciale à Mario, là, mais je l'ai pas fait. Non, je veux voir l'espèce de... Ah mince, attendez. Je veux juste voir l'animation de Mario quand il écrabouille un ennemi. Voilà, on va se mettre ici. Très bien. Écoute, tu vas toucher lui là. Voilà, même si tu peux pas l'avoir, au moins tu casses sa protection. Très bien, on va se mettre la petite bulle. Voilà, super, parce qu'il a perdu un peu. Lapin Luigi a perdu beaucoup de dégâts. Enfin, il s'est pris beaucoup de dégâts plutôt. Alors voilà. Je veux voir comment on écrase l'ennemi. Enfin, comment Mario écrase l'ennemi. Donc voilà, il écrase et il peut refaire un autre saut par la suite. Très bien. Eh ben, écoute, tu vas te mettre là, voilà. Attention, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Bam! Ah, trop bien! On écrase l'ennemi, super. Ils ont vraiment, vraiment bien géré, genre avec les animations, enfin les compétences de Mario. Enfin, Mario a des compétences dans les jeux Mario, il peut sauter, il peut avoir des pouvoirs spéciaux, genre par exemple avoir la fleur de feu et tout. Et ils ont vraiment bien intégré ça au gameplay, je trouve ça super cool. Alors, super, bah, qu'est-ce qu'il va faire Luigi? Luigi il peut pas faire grand-chose, hein. Il va se cacher là, et bah, il va essayer d'avoir quelqu'un avec... Qu'est-ce que c'est que ça là? Mecha mobile. Ouais, voilà, utilise la méca mobile. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'accord! Ah, c'est une espèce de petite bombe! Oh, c'est trop bien! Ah, ouais, d'accord, c'est une espèce de petite. Une petite tourelle qui avance. Ah, c'est plutôt cool en fait. Très bien. Alors, Mario. Mario se fait un peu défoncer là-bas, au loin. Alors, Mario l'a vu. Normalement, il va le frapper. Enfin, il va le tuer. Voilà, c'est bon, Mario a tué le petit lapin crétin. Très bien, à nous, héros. Ah voilà, ok, d'accord. Donc en fait, Luigi, il a une espèce de petite tourelle, donc comme vous avez vu, qui avance. Et en fait, il peut l'utiliser qu'une fois. Enfin, il l'utilise qu'une fois et après, la tourelle a besoin de se recharger pour pouvoir... la tourelle a besoin d'être rechargée pour que Luigi l'utilise une fois, encore une fois. Ok, très bien. Et ben, toi, tu meurs, voilà, Luigi va te tuer. Et ben, nickel. Super, bon, il nous en reste plus qu'un. Hein, voilà, toi, tu vas dedans, tu vas sauter sur Luigi. Voilà, nickel, le team play, c'est le team play. Le team play, magnifique team play, voilà, super. Et maintenant, tu le frappes. Et voilà, on l'a même incinéré.
super. Oh, bah, Lapin Luigi, c'est aussi incinéré. Le pauvre, il crame. Ok, très bien. Mario va rentrer dans le tuyau, va sauter sur Luigi. Voilà. Et il va tuer l'ennemi. Voilà, très bien. Super. Comme ça, on le tue avec la nouvelle compétence de Mario. Vraiment très très sympa. Super. Et bien voilà, on a battu tous les ennemis du niveau. Enfin, on a fini notre petite bataille. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a encore un pont. Beaucoup de ponts, hein. Beaucoup de ponts dans ce niveau. Ah, un champignon. Très bien. Bon, un champignon, ça va nous permettre de récupérer beaucoup de vie. 70 PV, j'ai vu. Donc, c'est plutôt cool. Ici, on a encore des pièces. Oh là! Un chomp. Oula, il va pas falloir qu'on le réveille, à mon avis, hein. Il dort, là. Si mes données sont exactes, c'est un chomp. Il dort pour le moment. Mais dès qu'il sentira notre présence, il se réveillera et tentera de nous mordre. Nous ou l'un de nos ennemis. Le chomp ne réfléchit pas, il fonce sur la cible la plus proche. Très bien. La bonne nouvelle, c'est que le chomp ne chargera qu'une fois notre tour terminé. D'accord, ok. Bon, on va préparer. Oula. Ok, le chomp a vu notre présence. What? Ok, alors c'est un peu bizarre. Ok, le chomp s'est réveillé. Ah non, en fait, le chomp va charger une fois que notre tour sera terminé. D'accord, j'ai compris. Et Mario a peur. Il a peur du chomp. Ok, très bien. Écoute, tu vas frapper le lapin. Bon, bah, tu l'as pas eu, c'est pas très grave, Mario. Tu vas utiliser ta petite compétence. Voilà. Luigi, qu'est-ce qu'il va faire, Luigi? Bah, il va sauter. Ah, il peut sauter sur l'ennemi, carrément. Il a pas besoin d'un rebond d'allié. Mais Luigi est trop fort, en fait, dans ce jeu. Ah là 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 là, il est super fort, Luigi. Ah non, il tacle. Ah non, ok, j'ai cru qu'il sautait directement. Ah non, d'accord, ok. Luigi tacle. Très bien. Mais on va utiliser la petite tourelle de Luigi. Voilà. Elle va exploser juste là-bas. Super. Et attention. Bam. Voilà, tu meurs. Enfin, tu meurs pas, mais tu te prends des dégâts. Et voilà, on va utiliser aussi le regard perçant de Luigi. Très bien. La nouvelle compétence. Qu'est-ce qu'il va faire le lapin Lapin Luigi. Bah, Lapin Luigi, je sais pas ce qu'il va faire, en fait. Il va se cacher ici. Voilà. Et il va essayer de taper lui. Voilà, en plus on l'a incinéré, très bien. Ah ben, oh, d'accord, ok. Alors, si... là, vous avez vu, on a fait un espèce de petit combo. C'est-à-dire que Lapin Luigi a incinéré l'ennemi. L'ennemi a bougé parce qu'il voulait éteindre les flammes de ses vêtements. Et Mario l'a repéré parce qu'il bougeait. Donc ça, c'est plutôt pas mal, en fait. On peut faire des super bons combos, en fait. Donc c'est plutôt cool. Alors, autour du chomp. Le chomp va taper cet ennemi normalement. Donc il va le tuer. Voilà, 75 de dégâts. Très bien. Il va pas nous attaquer, hein. Non. Il attaque qu'un ennemi, en fait. Bon, ok, très bien. Alors, super, le lapin se cache, là on va faire une avance rapide, Luigi a vu le lapin, du coup il va se faire toucher, ok, il a essayé de viser le lapin Luigi mais il a pas eu, lui il va se cacher, ok, il a cassé notre protection donc le chomp va nous voir, c'est pas super, alors, non je vais pas passer autour de l'ennemi, on va utiliser Luigi, voilà, alors Luigi qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'ennemi, enfin il va toucher l'ennemi. Il va se mettre ici, voilà. Voilà, super, il fait un petit tacle. Il va toucher l'ennemi qui est caché là-bas. Voilà. Ah, j'ai 0% de chance. Ah, c'est dommage, ça. Ah, je croyais que j'avais beaucoup plus... Enfin, je croyais que j'avais 50% de chance de le toucher. Donc, c'est un peu dommage. Alors, on va faire... non, on va pas passer autour de l'ennemi. On va faire un espèce de move. Un espèce de petit combo. On va attendre... Ici, voilà, Lapin Luigi, tu vas essayer de tirer sur l'autre. Ah, ok, je l'ai pas eu, bon, c'est pas très grave. Mario, tu vas sauter sur Lapin Luigi. Enfin, sur Lapin Luigi. Hop, tu vas sauter sur l'ennemi. Allez, saute sur l'ennemi, voilà. Et après, tu vas terminer ton tour derrière le bloc. Voilà, je sais pas si Mario va se faire toucher par le chomp. Je pense pas quand même, hein. Mais bon, parce que là, il est protégé à 100% le
de Mario. Mario est protégé à 100%, donc je pense pas que... Ah bah ok, le chombe va faire le tour et va taper cet ennemi là, d'accord, très bien. Ok, super, il a tué d'ailleurs le lapin. En fait, le chompe, il faut bien s'en servir. C'est vraiment un élément à prendre en compte dans la partie, quoi. Ok, donc Mario va se faire toucher. Bon, ça, c'est pas très grave. Normalement, il va pas prendre beaucoup de dégâts. Alors, les lapins sont un peu crétins, hein. Enfin, oui, c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Mais, genre, eux, ils se mettent juste à côté. Enfin, le chompe les voit, là. Hein. Enfin, le chompe te voit ici, là. Hein. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter sur Luigi. Voilà, on va se mettre derrière. Super. Nickel. Voilà, comme ça le champ ne me voit pas. On va tirer sur l'autre. Ah mais purée, je les touche jamais, hein. C'est incroyable. Quand j'ai 50% de chance de toucher un ennemi, je l'ai jamais, quoi. C'est incroyable. Voilà, on va se mettre là avec le petit lapin Luigi. Et on va essayer de toucher celui du fond. Oui, on l'a eu, nickel. Et en plus, il est pas protégé du tout ici là. Hein. Là il va se faire défoncer. Et ben qu'est-ce qu'on peut faire là? Bah ben, on va le défoncer. Bah oui, on va le défoncer. On va le défoncer, on va juste utiliser ça. Voilà. Soit on tue le lapin à 3 là-bas. Soit on tue lui. Ah non, en fait, on n'a pas assez de portée. Ok, non, non, j'ai rien dit. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait un deuxième lapin là-bas. Donc on va se mettre ici. Même si Luigi se prend des dégâts, de toute façon, c'est pas grave. On va, hop, bouger le... Enfin, on va utiliser la méca mobile, là. Comme ça, elle va exploser juste derrière le bloc. Comme ça, il meurt. Ça fait un coup critique, en plus, nickel. Le tour du chomp, il va toucher Luigi. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas très grave. Ouais, alors, autour de l'ennemi. Autour de l'ennemi, bon, c'est pas très grave. Avance rapide. Ah, oh, bah, il attaque les Mario. Super, ok, à notre tour, du coup on fait ça, voilà, bah de toute façon, là je pense que c'est fini pour le lapin, hein, voilà, à moins qu'on doit tuer le chomp après, hein, non, je pense pas qu'on doit tuer le chomp, non, je pense pas qu'on devra tuer le chomp, non, voilà, on a gagné, et le chomp a totalement disparu du champ de bataille d'ailleurs, hein. le chomp a totalement, disparu, et bien voilà, on a récupéré tous nos PV, super, enfin toute notre vie. J'arrête pas de dire PV, je me crois dans Pokémon, moi. Et bien voilà, c'est bon, on a fait un parfait en plus. C'est super, on a 2300 pièces, c'est nickel. Alors voilà, on peut continuer maintenant. Et qu'est-ce, on arrive dans un nouveau niveau? Enfin, dans un nouveau monde? C'est quoi? Oh, pont détruit en vue, il va falloir trouver une autre solution pour poursuivre notre route. Ouais, ah oui, le pont est détruit, d'accord, ok. Bah, écoute, c'est pas très grave, on fait le tour. On va faire le tour, ici, non, il y a rien, là-bas, non, il y a rien non plus, bah écoutez, on va prendre le petit canon, très bien, là, on active comment ça s'appelle, le machin, ici, qu'est-ce que ça fait en fait, je comprends pas, ah, ça fait, ah, d'accord, ok, bon, ça fait bouger le truc, très bien, d'accord, ok, bon, c'est nickel, ok, bah voilà, on va refaire bouger le canon, comme ça, parce que j'avais vu qu'il y avait un coffre là-bas. Super, là c'est quoi? On fait bouger. Super, ben voilà, on fait bouger le petit truc. Ah non, c'est pas super en fait. Non, c'est pas super puisque ouais, c'est pas super super. En fait, il faudrait que je bouge le. Ah, c'est dommage là, parce que je peux pas avoir le coffre. Attendez, si on fait ça. Qu'on fait ça normalement si on bouge le rouge, voilà, et on peut monter et normalement il n'y a pas le vert là, what, je comprends pas bien, attendez, ah non, ben non, c'est bon, voilà, nickel, c'est bon, on a eu le coffre, ok, super, nickel, plante pierre à lapine, ah nickel, on a une mon petit lapin crétin préféré, la plante piranha, le premier boss qu'on avait affronté. Super, ici, on n'a plus qu'à faire ça. Voilà. Super, ici, on bouge. Vous avez une invitation. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour des invitations. Alors, super, là, on bouge le petit pont. Super, et normalement, on a terminé. Et ben voilà, c'est bon. On a géré.
On a géré, partie sauvegardée. Et qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Oh là là là, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? On est passé carrément dans un autre truc. Qu'est-ce que... What? Ah voilà, ça. Sur la petite plaque décrivant l'œuvre, son auteur a écrit « Lapin crétin construisant une cabane de rondins ». Je ne suis pas sûr de comprendre. Moi non plus, j'ai pas bien compris. Alors, on prend les petites piécettes, très bien, ici. Ah, le petit coffre caché, là, on me l'a fait pas, moi. Les coffres sont pas super bien cachés, je trouve, hein. Ouais, des fois, ils sont super bien cachés avec de super bonnes énigmes, comme l'énigme des canons, là-bas. Mais des fois, bof. Alors, les amis, oh, quoique, ça fait 20 minutes qu'on est là. En fait, finalement, on va continuer l'épisode. J'allais dire peut-être qu'on va s'arrêter là, mais non. On va continuer l'épisode, vous savez quoi. Très bien. En plus, on arrive dans un endroit un peu bizarre, je trouve. Oula. Oulala. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah, c'est le petit lapin qui a fusionné avec le casque de fusion. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais derrière, regardez, sur ses fesses, il a un bouton on-off. Ouais, c'est vrai, il a un bouton on-off. Je n'ai pas encore appris à faire sa bipo, tu ne sers à rien, dis donc. Mais en fait, il faudra que je revienne ici plus tard quand j'aurai cette compétence-là, ça veut dire. C'est dommage. Vaincre 5 ennemis, d'accord, très bien. Bon, on va vaincre 5 ennemis alors. Super. Bataille, allez, bataille. On perd pas de temps. Super. Est-ce qu'on peut carrément... J'ai une question. Je pense que ouais, hein. Les cibles sont hors de portée. Veux-tu passer... Non, je veux pas passer autour de l'ennemi. Voilà. Ah, mince. Mince. Ah, c'est dommage. Je voulais, en fait, essayer de rejoindre la plateforme d'en haut avec un saut d'équipe. Mais j'ai pas réussi. Bah, attends, Luigi, là, il pouvait faire un truc, non? Mais oui, il peut utiliser sa petite truc, là. On va l'utiliser là. Voilà, vous savez quoi, on va l'utiliser là-bas. Très bien. Allez. Ah, c'est trop bien que l'espèce de petite... La petite chose, là, elle peut prendre les tuyaux. C'est vachement dynamique, je trouve, ce jeu. C'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce que... Voilà, ça, on saute. Et on va se protéger juste là. Nickel. Très bien. Allez, autour de l'ennemi. Oui, de toute façon, je vais pas utiliser mes compétences, ça ne sert à rien. Alors, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Avance rapide. Il va sauter. Ah, d'accord, il a sauté. Il va me toucher, très bien. Bah, en fait, t'as pas fait le bon choix, hein, mec. Hein. Enfin, le petit lapin, là, il a pas bien fait le bon choix. Ok, d'accord. Ils m'ont défoncé un peu, hein. Alors, très bien, toi, déjà, tu vas prendre tarif. Tu vas prendre tarif. Tu vas monter Lapin Luigi. Lapin Luigi monte, voilà. Tu vas te mettre ici. Tu vas te cacher, voilà. Comme ça, lui, il se prend 32 dégâts. Tu te caches. Tu vas toucher lui. J'espère que tu vas faire un critique. Ah, purée, il a pas touché. Ah non, il avait 0%, il était derrière un comment ça s'appelle? Derrière un bloc. Donc non, je pouvais pas le toucher. Alors, toi... Non, mais en fait, je vais le tuer à force. Ouais, je vais peut-être le tuer à force. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ces cases, là, bleues? Je sais pas du tout. Attendez, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ces cases, là? What? Attendez, la caméra. Ouais. Tu vas toucher lui, là-bas. Nickel. Et tu vas te mettre l'espèce de petite vision, là. Alors, Luigi, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, Luigi, en fait, j'aimerais bien qu'il... je sais pas ce qu'il va faire, en fait, Luigi. Attendez. Luigi, il est, en fait, super loin. Donc, il va se rapprocher, en fait. Voilà, il va se rapprocher. Il va prendre le tuyau. Et il va se mettre ici et essayer de toucher l'ennemi. Juste en dessous. Ah, bah, voilà, on lui a mis de l'encre. Très bien. Très bien. En fait, je savais pas qu'avec Luigi, je pouvais toucher le lapin crétin juste en dessous. Je pensais pas. Je pensais que la vision allait être bloquée. En fait, je voulais juste tester le... Ah ben, Mario l'a vu. Très bien. Ok, très bien. Luigi a vu le petit lapin de là-bas. Ok, il a touché Luigi. Ah, ok, il y a d'autres lapins qui arrivent, là. Ouais, c'est pas super. Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Là, je peux pas faire grand-chose, hein.
Je peux pas faire grand chose. En fait, je pense qu'il faudrait que je me. Que j'aille dans le tuyau. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bah, je vais aller dans le tuyau. Et je vais me cacher. Voilà, avec PG. Super. Allez, voilà. Cache-toi. Et là, tu peux l'avoir. T'as 50% de chance de l'avoir. Bah, très bien. Eh bien, on l'a eu. Nickel, on l'a eu. J'aurais pu envoyer ma petite. Mon petit véhicule là. Oh bah on va sauter sur Luigi. Voilà. On va se mettre ici. Super. Voilà le saut d'équipe. Merci. Voilà, super. Et toi, tu peux le toucher ou pas? Je crois pas. Hein. Ah si, on peut le toucher, on peut le toucher. Ah, t'aurais pu faire des dégâts incendiaires là. Enfin des dégâts de feu, c'est dommage. Ok, bah on va se cacher là avec Mario. Super, et je pense pas que tu puisses avoir les ennemis de loin. Non, voilà, t'es hors portée. Ok, très bien. Allez, on continue. Alors, les lapins crétins, là, on spawn. Là, on a un lapin crétin qui bouge. Ok, il touche le lapin Luigi, très bien. Là, il va se cacher. Ici, ok, il se recache. Bon, bah, c'était un tour un peu bidon, hein. Ils ont pas fait grand-chose. Alors, on va prendre lapin Luigi, on va aller dans le tuyau. Voilà, lui va prendre tarif. Voilà, très bien. En fait, Mario là, il a deux lapins qui sont venus vers lui. Donc je vais les tuer avec Mario. Allez, vas-y, dégâts incendiaires. Oui, incinération. On dit dégâts incendiaires ou dégâts incendiaires? Non, dégâts de feu. Tout simplement, dégâts de feu, c'est mieux. Alors voilà, on va tuer lui. Ouais, on va tuer lui. Je peux pas faire deux tacles en même temps, c'est dommage ça. On va se mettre ici. Voilà. Et j'aimerais bien que tu fasses des dégâts de miel, Mario. Des dégâts de miel, ça serait pas mal. Allez, vas-y. Dégâts de miel ou pas? Oui, très bien. Comme ça, il va plus pouvoir bouger. Et comme ça, il va pas pouvoir me tacler. Voilà, tout était prévu. Ouais, alors, ici. Bah, toi, en fait... Je sais pas ce que Luigi devrait... soit je tue l'ennemi de droite, soit je tue l'ennemi de gauche. Dans tous les cas... Bon, je pense que lui il va prendre tarif. Voilà, tu meurs, très bien. Et bah c'est au tour de l'ennemi. Du coup il va juste pouvoir me taper avec le blaster. Bon, il a tapé lapin Luigi, c'était pas la meilleure option. Très bien. Lapin Luigi, ouais, tu vas... Bah non, en fait Mario, tu vas tacler. Et tu vas te mettre ici. Voilà, très bien. Tu le tacles. Et tu le tues. Voilà, normalement on a terminé, je crois. Coup critique, et voilà. Super, ok, nickel. Parfait, voilà, en plus j'étais pas prêt de perdre un membre de l'équipe, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a là? Wep. Bah écoutez, on va prendre le petit canon, hein. Ah, il y a encore des ennemis. Mais je sais pas ce que je dois faire là. Je sais pas. Allez, vous savez quoi? On va se farcir l'ennemi là. Oh, Toad! Oh, qui c'est? Ok, il y a un gros balourd là qui essaye de. Qui tape les Toad. J'accepte pas ça. Ah, c'est un espèce de sumo, non? Le pauvre. Oh, le pauvre Toad. Non. Et il frappe pas Toad, hein. Oula, Toad il a eu chaud là. Mais pourquoi les Toad ils courent en rond alors que genre l'ennemi essaye de les frapper? Démolisseurs, les abrutis collants. Ok, atteindre la zone. Très bien, je dois atteindre une zone. Ok, bah super, bah ça va pas être très difficile. Bon, non, ça va pas du tout être difficile, hein. Mes capteurs révèlent deux choses intéressantes concernant le comportement du démolisseur. Premièrement, son tempérament. S'il est frappé par une arme, il charge son attaquant comme un taureau enragé. Deuxièmement, il a la combativité d'un morse. Après une orgie de poissons, si vous en éloignez assez, il arrête de charger. Très bien. Alors, ok, donc si je le tape... Oh purée, j'ai 7 de vie, j'avais pas vu ça. 7 de vie, ah ouais, chaud. Ok. Bah, vous savez quoi? En fait, je vais prendre l'aggro sur Luigi. Non, tu tapes rien du tout, toi. Lapin Luigi, tu tapes pas du tout. Ok, alors, tu vas... voilà, tu vas te mettre là. Super.
Tu vas taper. Voilà, tu le tapes, très bien. Ok, donc... Quoi ? Ah, ok, d'accord, très bien. Très bien, bah toi tu vas utiliser ça. Ok, j'ai très mal joué. Je pensais pas du tout qu'il allait m'attaquer en fait pendant mon tour. Ouais. Alors, voilà, tu fais ça, très bien, on lui fait des dégâts. Ah mais attendez, mais on va le défoncer là. Mais oui, on le défonce clairement. Attendez, mais clairement, attendez. Là, on va le défoncer, le pauvre. Attendez. Si je mets mon regard perçant avec Mario, là. Voilà, je mets mon regard perçant, là. Super. Donc là, s'il va bouger, Mario le tape. Et Luigi va le taper aussi. Je le tue, normalement. Voilà, là, il bouge. Luigi va le taper. Super. Et Mario va le retaper. Mais c'est trop facile. Bah voilà, c'est bon, j'ai gagné. J'ai gagné. C'est bon, y a plus personne. Ah, ok, d'accord, très bien. J'ai rien dit. Tu peux passer autour des ennemis. Non, je vais pas passer autour des ennemis. Tu vas rester là, toi. Allez, dépêche-toi. Toi, Luigi, tu vas aller ici. Très bien. Super, tu te caches. Voilà. Je vais pas jouer en fait avec... Ah, quoique, attendez. Je peux utiliser cible hors portée. Mais tu peux pas envoyer l'espèce de petite le petit véhicule là. Non, je vais pas passer autour de l'ennemi. Toi, tu fais ça. Oh, mais pourquoi? Pourquoi je peux pas aller directement dans le tuyau avec un saut d'équipe? Je comprends pas. Tu peux pas passer direct... Ah, mais si, je peux passer directement en haut. Très bien. Bah, ça va être nickel. Ok, super. Et bien voilà, on passe directement en haut. Comme ça, on perd pas un deuxième tour. Super, et là, bah, t'as les cibles hors de portée. De toute façon, on passe autour de l'ennemi. Très bien. Alors, les ennemis, on pop. Oh, bah, vous voyez, il y a encore un de ces machins là. Oula. Alors, ça va être chaud. Luigi est mort, très bien. Luigi est mort. Alors, là, il faut que je vais jouer qu'avec Mario. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais. Alors, là, si je joue qu'avec Mario, ça va être très très dangereux. Du coup, voilà. Je vais me cacher ici. Et je vais passer autour de l'ennemi. J'espère qu'il va pas me tout. J'espère qu'ils vont pas me taper. Ok, bon. Ok, il a pas eu lapin Luigi. Ok, je me fais défoncer. Ok, très bien. Bon, c'est pas très grave. Là. Bah écoute, tu vas t'en aller. Tu vas te protéger. Je sais pas, oui, tu vas te protéger. Ici. Bon, nickel. Tu vas taper l'autre là. Tu peux pas taper l'autre? L'autre. Je veux pas taper lui. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va mettre fin à notre tour. Lui, en fait, il a gros lapin Luigi. Bon, il a touché lapin Luigi. Très bien. Bon, lapin Luigi est mort. C'est pas très grave. Ok, mais d'où il bouge comme ça là. Jamais tu bouges. La zone est juste là. La zone est juste là. Ok, très bien. Il faut pas que je le tape, il va me défoncer sinon. Là ça va être chaud, ça va être très très chaud. Non, il me touche pas là. J'ai 0% de toute façon. J'ai 5 PV. Oh non, il m'a tué. Partie terminée. Oh non, il m'a tué. Ah mince, je pensais que j'avais assez de PV. Je croyais avoir 5 PV. Ah zut. Bon bah écoutez les amis. Ouais. Je sais pas trop quoi faire. Je pense qu'on va retourner au château de la princesse Peach. On va mettre fin à cet épisode là. Hein, je pense que c'est pas mal. Même si on a perdu la fin, on recommence. Enfin, on a perdu la partie là. Mais c'est pas très grave puisqu'on recommencera demain. Enfin, demain. Oui, demain, oui. C'est l'épisode. Je fais un épisode chaque jour. Donc, oui, on recommencera demain. Mais donc, je voulais voir si Peach voulait pas me rejoindre. C'est la pâte crétin était donc encore plus déchaînée avant d'arriver ici. C'est dur à croire.
Mais tu veux pas nous rejoindre, Peach? Peach, j'ai besoin de toi. Voilà. On va s'arrêter là, les amis. J'espère que vous avez passé un bon épisode de Mario et les Lapins Crétins Kingdom Battle. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Et moi, je vous retrouve pour d'autres épisodes de Mario et les Lapins Mario et les Lapins, ou Mario plus Rabbids Kingdom Battle. L'épisode de demain, on essaiera de gagner le combat qu'on a perdu aujourd'hui. Mais je pense que ça va aller, puisque j'avais pas bien compris comment marchait cet ennemi là, l'espèce de gros ennemi. En plus, j'avais perdu toutes mes PV avec Lapin Luigi, donc ça allait pas trop. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de Mario les Lapins Crétins Kingdom Battle. Allez, ciao ciao.